Bonjour, oncle Igor, tante Valia et oncle Sacha. Contrairement à vos craintes, je tiens à vous informer que je vis bien tant que je suis en vie. Les choses iront encore mieux car j'ai été dans les rangs de la bande hérite depuis 3 semaines déjà. Et comment faire autrement? Car c'est la seule façon de faire carrière en Ukraine. Cependant, il va sans dire que vous savez déjà. Mon salaire est faible, mais ce n'est pas un problème puisque nous sommes autorisés à prendre l'argent et les biens des Russes. Et avant, c'était pareil pour les Juifs. Mais ensuite, le principal homme de Bandera, Kolominsky, l'a interdit. Quant à moi, j'apprends l'anglais pour oublier le russe, avec l'aide des mercenaires américains. Il y en a partout. Vous savez, je me suis marié. Il s'appelle Vadik. C'est normal pour nous, les Européens. Aujourd'hui, notre président, le plus important, Barack Obama, a promis que nous rejoindrons bientôt l'OTAN. En tant qu'homme de main pour les Américains, bien sûr. Si vous le pouvez, envoyez-moi le livre d'Hitler, Mein Kampf. Ici, tout a été vendu. Parfois, je fais des exercices matinaux sur le balcon. J'aime ça, du cœur au soleil. Économique qui rappelle celui des années 30. Avec des gens qui aujourd'hui en Ukraine font l'apologie d'Hitler et de l'Allemagne national-socialiste. La montée de l'extrême droite en Ukraine, c'est l'autre visage de la révolution. En première ligne sur la place Maïdan, ces milices paramilitaires patrouillent dans les villes, accueillies en libérateurs par la population. Occupant les ministères, les administrations publiques et se substituant parfois à la police. Venue à l'origine des régions de l'ouest du pays, elle s'implante désormais dans les bastions traditionnellement russophones comme Kharkov. Alexandre est un milicien de Spilna Sprava, un mouvement dont la référence idéologique, c'est Stefan Bandera, l'homme qui a orchestré le génocide d'un million de juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Pour lui, le nouveau gouvernement et la classe politique traditionnelle n'ont plus aucune légitimité. Pour lui, la révolution ne fait que commencer. Ce sont nos milices et celles du private sector qui pourront remettre le pays en ordre. Nous sommes les nouveaux Banderas. C'est nous qui avons assuré la sécurité, qui sommes tombés sur le champ de bataille et morts en héros sur la place Maïdan. Nous avons déjà changé le pouvoir à Kiev, mais il faut nettoyer tout le pays, éradiquer et liquider toute la classe politique, y compris les membres de l'opposition traditionnelle, parce qu'ils ont les mêmes défauts que les autres. Les élites politiques ukrainiennes discrètes.